comme vous avez pu le voir sur notre petit disclaimer, dans aucun cas ce sont des conseils, hein, ce sont juste des discussions entre passionnés de bourse, de trading et d'économie. Et ce soir, nous recevons notre grand ami Ricardo. Salut Richard, comment ça va? Salut Denis, ça va très bien. Ah, on se refait un petit duo, ça faisait longtemps, hein. On va se faire un petit duo pour voir un peu ce qui s'est passé depuis le début de l'année et l'annonce de tes pépites. Puis on va parler un peu du marché aussi pour voir quand même, ça intéresse pas mal les traders parce que ça a l'air un peu agité en ce moment. Ouais, effectivement, ça bouge pas mal et ça bouge pas que dans le bon sens. Ouais. Donc avant d'oublier, je vais parler que Pépitor fait un événement, hein, sur le mois de novembre. Alors, ce sera 3 jours à Barcelone, donc on fera un pack complet, hein, ça va sortir. On est en train de réserver les hôtels, etc. Donc, il y aura hôtel, repas, séminaire toute la journée avec des intervenants prestigieux. Pour l'instant, il n'y a que David Renan qui est annoncé. Tout le samedi et puis le dimanche matin, des petits échanges tête à tête. On sera tous ensemble au restaurant, on mangera tous la même chose. Vous pourrez peut-être être assis à la droite de Ricardo, n'est-ce pas? Est-ce que tu viens, Ricardo, alors? Bah évidemment, je viens, yes. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, on a notre deuxième intervenant. Ce sera avec plaisir de rencontrer David et puis tous ceux qui viendront. Bien sûr que je viendrai. Puis, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, compte sur moi. Notre deuxième annonce, c'est Ricardo sera là, nous parlera, on va voir un sujet, un webinaire fondamental, etc. etc. Ah, donc, d'autres annonces, j'imagine, d'ici c'est le mois de novembre, c'est ça? C'est le mois de novembre, alors le but du jeu, je suis entre plusieurs hôtels là, mais j'aimerais bien rentrer dans un budget... Qui soit intéressant, pas faire un peu comme Fetami Cabbage ou les autres où on arrive à des prix à faramineux. Donc, puis je voudrais pas non plus que ce soit pas de la qualité. Donc, cette semaine, je vais à Barcelone, je vais visiter 3-4 propositions déjà. Et puis, je pense qu'on arrivera à sortir. Moi, je tiens de la part de tous ceux qui vont venir et qui participeront à ce séminaire. Je te remercie, c'est d'une inventivité exceptionnelle et franchement ça manquait dans ce petit monde et bravo Denis encore une fois, alors, notre créateur maison. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, après il y a eu le Covid et puis moi je voulais faire une rencontre informelle en fait et puis c'est Tino qui m'a dit pourquoi on ne ferait pas un séminaire où il y aurait des intervenants. Tino lance une idée mais il ne viendrait pas alors? Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Si tu écoutes, tu n'as pas le droit de pas être là. Ouais, on va voir. On verra. Donc voilà, vraiment motivé. J'espère que ça va bien se passer. Vu la réception qu'on a eue, j'ai déjà viré quelques hôtels où il n'y avait pas assez de place. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà. Le marché, alors, c'est chaud depuis le début de l'année, hein? Oui, on en avait parlé. Hein. Ouais. On était. J'ai pas fait de. Alors j'ai fait quelques slides, mais pour les pépites et pour faire le suivi des pépites. Mm-hmm. Mais on aurait pu faire un slide, on aurait pu regarder où était le CAC 40. Un CAC 40 d'ailleurs, c'est pas que lui. Hein. Le Nasdaq, etc. On l'avait dit dès le début, Denis. Hein. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais alors après on en a reparlé avec les gars dans le débat à 4 avec Zav et Pierre, mais. Enfin voilà quoi, ça se voyait que c'était haut perché et que les nuages s'amoncelaient dans le ciel quoi. Donc aujourd'hui, on peut faire un point rapide, mais un CAC qui a dû perdre de 15, 17, 20%, un Nasdaq qui a fait, je crois, une pointe à moins 30, enfin moins 30, un tiers. Enfin la valo globale du Nasdaq, c'est un tiers. Waouh! Le pire, c'est le DAX. Parce que le DAX, il a retracé 50% de la hausse du Covid. Et le SP500, il a retracé 38% la semaine dernière. Mais le DAX, il a retracé la moitié de la hausse. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. C'est-à-dire que depuis mars 2020 jusqu'en décembre 2021, c'est-à-dire pendant un an et demi,
on a perdu en 4 mois 50% de la hausse, quoi. C'est pas de la conso, ça, c'est. Ah non, c'est un bear market, hein, Ouais. vraiment. Ah, Et faut pas le dire. excusez-moi, faut pas dire les mots qui fâchent. Ouais. fallait pas annoncer la baisse. Ouais. Si les gens réécoutent l'émission qu'on avait fait au tout début janvier, je disais déjà que j'avais quasiment plus aucune valeur croissance dans le monde croissance. Au sommet, j'avais déjà beaucoup de dossiers à la baisse. Je me rappelle d'avoir parlé de Flatex qui a continué à baisser, alors que fondamentalement, il y a rien, quoi. Enfin, c'est une super valeur. Et finalement, on retape des niveaux, comme tu disais, on retape des niveaux qui sont plus ou moins juste avant Covid. Donc finalement, on a des marchés qui, sur un peu plus de 2 ans, sont revenus sur les niveaux d'avant Covid. Donc on serait au même niveau qu'avant le Covid. Voilà. Et finalement, quand tu y réfléchis bien, bah c'est à peu près ce qui se passe. Parce qu'on est, on est Le avant monde n'est pas plus le riche qu'il y a 2 ans. Covid. Le niveau avant Covid, c'était le niveau avant le subprime. C'est-à-dire que 6100 sur le CAC, c'était le sommet avant subprime, le sommet avant Covid, et c'est ce qui nous sert maintenant de Support. support. Faut espérer. De support qu'on est en train de pas mal travailler, quoi, on va dire, pour pas dire, pour pas Ouais, être ouais, ouais, méchant. ouais. Bah, si tu veux, bon, on peut pas dire que j'étais pas alarmiste, hein, mais par contre, j'écrivais encore ce matin sur ma page Facebook, là, sur la bourse, il y en a qui ont essayé, et je disais, bon, voilà, le marché a pricé, les gars. Enfin, c'est mon avis, il a pricé. Alors, pricé, les gens savent pas toujours ce que ça veut dire, enfin, surtout les novices, mais il a donné une valeur au futur qu'il estime. Le futur qu'il estime, c'est quoi? C'est une récession. Une hausse des taux, ça y est, c'est dans les prix. La guerre en Irak. Ouais. Non, pas encore. Non. Enfin, une autre. La guerre en Ukraine, ça y est, c'est passé. Et finalement, pour que ça aille plus bas, il y a deux solutions. Soit on suit la tendance parce qu'il n'y a rien de nouveau et ça continue à être vraiment pas bon du tout sur tous ces critères-là. J'en suis pas convaincu. Je commence à être un peu moins convaincu. Soit on va se retrouver dans une sorte de latéralisation ou dans un petit bear market qui continuera à descendre lentement. C'est le pire, ça. Parce que c'est vraiment un marché où tu vois un petit support, tu dis tiens, ah, il y a une petite réaction, super, puis ça repart pas, quoi. Ça repart un peu 2, 3 jours. Et on risque de le vivre longtemps parce que la saisonnalité, là, elle n'est pas avec nous. La saisonnalité, elle est plutôt à des marchés qui suivent des tendances baissières quand on arrive en mai. Et là, on y est. Et enfin, mon avis, c'est que c'est pricé, mais on peut exagérer plus bas tout en ayant raison de dire c'est pricé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça peut remonter un peu plus haut tout en ayant raison de dire c'est pricé, c'est-à-dire qu'on va être maintenant dans du technique. On va être dans du technique, les news sont plus ou moins là, on sait à peu près où on va. Et pour moi, voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Je sais pas toi si c'est la même chose, mais moi, c'est ce que je ressens. Ben moi, je pense que pour que le marché se retourne, il faut un vrai catalyseur. Pour l'instant, on n'en a pas. Hein. On n'a plus de... Enfin, ne plus avoir de mauvaises nouvelles, à mon avis, ça suffira pas, quoi. Attends, il faut des nouvelles mauvaises qui disparaissent. Donc moins mauvaises, ou le problème disparaît. Est-ce qu'on a ça devant nous? La réponse, c'est non. Moi, j'écoute énormément. Tiens, un truc à écouter, enfin, un mec à écouter, c'est Christophe Barrault, qui est vraiment le meilleur analyste au monde, selon je ne sais plus qui. Voilà. Et il faut écouter ce gars-là. Et aujourd'hui, il dit clairement, les chiffres ne sont pas au calme sur l'inflation, sur tout ce qui nous fait baisser les marchés. Ce n'est pas au calme. Donc on peut considérer que le marché n'est pas encore vraiment rendu en bas. Mais techniquement, tu peux te retrouver non. Tu peux avoir tort dans le sens où ça range, où ça remonte un peu, puis ça redescend. Et finalement, à l'instant T, tu aurais raison, mais à l'instant T plus 1, tu aurais plus raison. Enfin, ouais, ça va être des marchés techniques. Puis en plus, c'est ce Donc. qu'on disait tout au long de l'année dernière, c'est que les marchés montaient à vide, quoi.
C'est-à-dire qu'on n'avait pas de catalyseur. En fait, les marchés montaient parce que on était obligé de mettre de l'argent sur les marchés pour lutter contre l'inflation. Et Alors, en puis, Espagne, c'est peut-être catalyseur, mais en France, c'est catalyseur, mon ami. catalyseur, un catalyseur. Ça fait trop longtemps que tu es en Espagne. Yes, oh, mais tu sais, ça arrive, hein. Ça s'appelle un gallicisme, je crois, non? Si je dis pas de bêtises, ouais. Ouais, mais il y avait, je crois qu'il y avait eu Pierre l'autre fois qui nous avait fait Un anglicisme. un anglicisme avec un mot. Ouais. Ouais. Ouais, pour revenir à ça, technicité, je suis C'est-à-dire qu'en fait, plutôt. on est monté trop, trop haut, trop loin, sans rien. Et puis là, on profite des mauvaises nouvelles, on profite du signe noir, on va appeler ça un signe noir, le conflit russo-ukrainien, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, même si Ouais. c'était. Bon, c'est peut-être un signe noir, parce que c'était peut-être Pour possible. moi, un signe noir qui était vraiment, j'avais annoncé Ouais. qui s'est pas réalisé, c'était l'élection de Le Pen en France. Parce que l'élection de Le Pen en France voulait dire déstabilisation politique européenne. Et là, par contre, là, on prenait dur pour longtemps sur les marchés. Parce que la France reste quand même hyper importante dans l'équilibre de l'Europe. Et donc, finalement, ça aurait impacté un peu le monde entier, quoi. Enfin, en tout cas, un petit peu les US, puis un petit peu l'Asie. Mais sincèrement, ouais, l'Ukraine, je sais pas si c'était un signe noir. Enfin, moi, tu sais bien, moi, je disais que ça allait péter, donc. Ah oui, mais je t'ai complètement trompé. Bon, moi, ça a duré 15 jours, mais apparemment, ça risque de durer. Apparemment, les Ukrainiens seraient en train de repousser les Russes. Oui, bon, après les news, bon, je sais pas On trop. verra. En tout cas, le marché va devenir compliqué pour les nouveaux. Les investisseurs, j'ai envie de te dire un truc qui change par rapport à ce que j'ai dit depuis. On est en mai, donc ça fait quand même 4-5 mois que j'arrête pas d'être négatif. Je pense qu'il est quand même sur certains dossiers qu'on voit qui ont vraiment baissé, que c'est pas injustifié, mais où ils sont revenus à des niveaux de prix, on va dire, corrects. J'ai le sentiment, j'entends, je vois des investisseurs de long terme qui commencent à remettre un peu dans le cochon. En n'étant pas tant convaincu que ça que c'est le bon moment. Mais principe de base, bah, bam, ça descend ici. J'avais dit que j'achetais, j'achète. Ouais. Le prix est bon pour eux sur Ouais, une le prix est vision bon 5-10 ans, quoi. pour du long terme. Donc c'est ça, ces phénomènes-là qu'on va avoir là, ça va être ça. Des prises de position pour refaire le plein dans les portefeuilles, parce que c'est pas nous qui décidons, hein, c'est les gros. Hein. Et tout en étant couvert, à mon avis. Tout en étant couvert. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un jeu schizophrène entre je me couvre mais par contre je prends des lignes sur des beaux dossiers, sur des belles valeurs, quoi. Enfin, moi je le vois, hein, je vois des trucs se faire, certaines valeurs, ça me paraît assez évident. Mais combien de temps? Est-ce qu'on est en bas? Qui en savait, hein? Sais, Denis, si on descend plus bas, ça veut dire, je pense toujours Nasdaq, moi. Parce que c'est quand même ce que je suis le plus, et c'est ce qui correspond le plus à ce que je fais. Ça voudrait dire qu'on aurait un Nasdaq qui ferait, sur l'année, qui ferait un plus que moins 25, plus que moins 30. Dans l'histoire, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il y a eu 2000, et je suis même pas sûr que 2008 il y ait eu autant. Ouais, on est aussi dans une sortie de Covid où en fait tout le monde pensait que ça allait être la panacée et en fait on s'aperçoit qu'avec l'économie industrielle de flux tendu, etc., plus les Chinois qui ouvrent pas, plus ou Ah, c'est en train de. J'ai entendu des trucs là. Ça vient ouais. de s'arrêter. Bon, on va pas en parler parce que la dernière fois, ça avait bien polémiqué dessus. Donc, bon, je pense que tout le monde a compris ce que je pense. Donc, on va pas non plus. Oui, bon, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut quand même. C'est juste la différence entre une dictature et une démocratie. Non, non, mais ouais, les Chinois ont l'air de vouloir rouvrir. Puis ils ont des chiffres très mauvais, hein. Ils commencent à se rendre compte que ça leur coûte à eux aussi. Shanghai était fermé. Il y avait moins de cas qu'en Catalogne. Ouais, Actuellement, hein. C'est-à-dire totalement. que en Catalogne, personne n'a le masque, tout le monde est dans la rue. Tu vois, en fait, je suis allé à un concert, je suis allé voir un vieux groupe des années 80,
du gothique. Je ne sais pas si tu connais les Sisters of Mercy, donc c'est vraiment. Non, moi j'ai fait Iggy Pop la semaine dernière. Et en été, c'était une petite salle, hein, c'était le Razzmatazz, on était 1500, mais c'était blindé, quoi. Et ça m'a rappelé vraiment les avant-Covid, quoi. Ah, nous aussi. Iggy Pop à Nantes vendredi dernier. On était dans la salle, il n'y avait pas de... Bon, Rien. voilà. Ouais. Tout va bien. On a retrouvé la vie normale Mais jusqu'à la bon, après, prochaine. les réactions, les comportements de différents gouvernements par rapport à ça, faut les surveiller, faut les regarder. C'est une des raisons qui fait baisser effectivement le marché. C'est pas la principale, mais elle a provoqué aussi ces phénomènes inflationnistes. Mais il y a aussi la guerre. Enfin, toi, il y a plein de choses qui ont provoqué plein de choses. Il y a une sorte de cascade. Bon, la Chine, ça, c'est une mauvaise nouvelle qui est en train de disparaître. Donc, toi, ça peut justifier les rebonds de quelques dossiers qui seraient très dépendants des livraisons chinoises. Si tu trouves un dossier où ils sont totalement dépendants d'une usine de Shanghai, ça prend du sens. Et faut connaître vraiment les dossiers à fond, quoi. Et celui qui prétend. Alors, si t'en as un qui te tombe dessus, puis tu découvres qu'il dépend complètement de Shanghai et qu'il s'est effondré, ça devient intéressant. Ouais, tu avais Mais une franchement, small cap, une Dobas, tu avais Seabox, la Dobas, ils recevaient tout de Chine, alors peut-être que ça va Bah, alors remonter. je vais m'intéresser au dossier. Ouais. Voilà, Seabox, c'est des trottinettes, hein, c'est ça, hein? c'est un peu tout. Je sais plus ce qu'ils font. J'avais arrêté. Au début, ils faisaient des USB. Après, ils ont fait des Ah, disques durs de mémoire externe. Et après, ils ont fait toute la partie, trottinette, vélo électrique, tout ça. bah Tout tiens, fait en Chine. faisons un peu de fondamental. Quand tu as une entreprise comme ça, qui ne sait pas trouver son business model, son produit à vendre, sa niche de travail, dans quoi il est, je sais pas, mais il faut se poser les bonnes questions. J'ai envie de dire aux gens, mais comparez à votre vie autour de vous, quand vous avez un copain Un ou je boucher sais qui vend du pas. pain, c'est que ça va pas, quoi. Vous avez un pote, un jour il est charcutier, le lendemain il est coiffeur, et le surlendemain il est maçon. Enfin, posez-vous les bonnes questions sur la stabilité de la boîte et sur son business model, sur qu'est-ce qu'il fait, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça ressemble à rien, quoi. Enfin, voilà. Seabox, voilà, des rebonds techniques, mais investisseurs, surtout pas, quoi. Voilà. Mais bon, j'irai voir. On passe sur ce que tout le monde attend maintenant, tes pépites, tes MDR et tes PTDR. Ouais, si tu veux, on Pour va voir faire un un point sur peu. ça. Des petites nouveautés. Ouais. Tu partages ton écran, c'est ça? Ouais, si tu veux. Ok. Attends, je vais partager ça tout de suite. J'ai mis un écran blanc là. Tu me dis quand t'as C'est tout l'écran blanc. bon. Eh ben, c'est parti. Si ça veut avancer ou pas. Voilà. Donc, tu vois mon petit logo? Ouais. Ok. Donc, on va commencer, si tu veux bien, par faire le point sur l'indice. Si ça veut avancer, si ça veut pas, ça va être... Attends, j'ai un souci, ça veut pas avancer. Voilà, sur l'indice MDR, les merdes de Ricardo. Si apprécié sur les réseaux. Oui, on enregistre, on est mi-mai là, mais j'avais tout préparé pour le 30 avril, donc D'accord. désolé pour tout le monde, mais tout ce qui est là, ça a 15 jours d'ancienneté. Il n'y a pas eu de trop de modifs, non, depuis 15 jours, en fait. Les pépites que je rentre, il y a peut-être eu un peu de mouvement. J'ai regardé vite fait, il y en a qui ont baissé depuis, il y en a qui ont monté depuis. Donc, D'accord. j'ai envie de dire, c'est neutre au global, mais bon, il y en a qui vont se retrouver un peu plus haut, d'autres un peu plus basses sur les pépites qui rentrent et qui sortent. Mais par contre, voilà, ce qui est intéressant, c'est. Moi, je suis pas dans le court-termisme dans ce que je présente, hein, je suis plus dans l'éducatif et puis dans le long terme. Donc, c'est pas très gênant, surtout sur l'indice des MDR, là, c'est pas très important finalement. J'ai pas regardé aujourd'hui, mais je crois qu'il a encore perdu par rapport à ce que je vais faire voir. Mais D'accord. lui, on est tranquille, on sait qu'il perdra toujours. Donc, Oui. il n'y a pas de souci sur ça. Mais voilà, donc les gens ne s'étonnent pas, il y a un petit décalage entre le moment où j'ai tout préparé et puis l'enregistrement. Voilà, donc c'est toujours français, hein, on est toujours spécialiste de France. Je ne vais pas me fatiguer quand même à aller travailler sur d'autres marchés sur ça, parce que l'idée, c'est vraiment d'expliquer aux gens. Et on a fait une émission, j'avais bien expliqué les choses sur ce qu'étaient les valeurs MDR, vraiment des daubes, hein. Enfin, on appelle ça des daubes, moi j'appelle ça des merdes, c'est grâce à toi d'ailleurs. Et l'idée, c'est vraiment que les gens suivent et qu'ils comprennent que c'est vraiment impossible. Et on va voir que ça continue. Et je sais que c'était déjà bien, bien bas. Donc, allez voir les autres vidéos qu'on a faites ensemble et puis vous verrez.
je fais un rappel, les mêmes valeurs, sont dans l'indice depuis longtemps, en 2019, avaient perdu 99,08%. Et l'année suivante, les mêmes valeurs, elles avaient perdu 99%. Et l'an dernier, 81%. Mmh. Et je t'avais dit, bah, ça va continuer. Et ben, tu vas voir. Mmh. Qu'à fin avril. Et donc, j'ai le petit trait là que tu vois. Je vais utiliser le curseur. Tu vois le curseur, toi, mon curseur? Oui, je vois très bien. Oui. Donc, ici, on est au 1er janvier de l'année 2022. Et ben, nous sommes encore plus bas. Alors, on voit bien qu'il y a eu un petit rebond là. De l'indice, ça. Hein, c'est un peu des comportements de début d'année. Et puis bah, après, on a continué à baisser. Et on est au plus bas, encore au plus bas historique. Ça a encore continué. Mmh. Moins 49%. Ouais, ouais. Ça vient de rediviser par deux, alors qu'on était déjà divisé par je ne sais plus combien avant. Voilà. Je crois qu'on est en ce moment, j'ai regardé il y a 2-3 jours, on était à moins 55. C'est-à-dire que ça a encore perdu. Encore perdu. Bon, j'ai un objectif à moins 90. On devrait target, ça peut être belle, ouais. Ah ouais, ouais, ça devrait pas être trop mal, on devrait y arriver. Donc c'est vraiment catastrophique. C'est des dossiers où il y en a un qui est en positif depuis le début d'année, mais enfin, bon, je sais qu'il y a des traders qui en parlent, mais hormis ça. Y a rien à tirer, quoi. Ou peut-être un intraday avec de la volatilité. Je pense que la tendance 2022, vu la tendance qu'on a actuellement, on est parti pour un moins 87,5. Donc on est bien dans le. Voilà, j'ai un espoir de moins 90. C'est l'objectif que j'avais calé. Moins 90%, c'est divisé par 10. Là, on est pour l'instant sur un rythme à diviser par 8. Enfin, on sourit, mais c'est une tristesse absolue parce que comme c'est coté, il y a bien des gens qui sont sur ces valeurs-là, qui perdent de l'argent et qui perdront toujours de l'argent. Et qui se rachètent. Enfin, tu le sais bien, Denis, on a déjà parlé. Ouais. C'est l'avidité. Voilà, on va continuer à baisser. Le divisé par 8, divisé par 10, comme tous les ans, il va se faire. Sans problème. Ah bah tiens, j'ai eu un petit souci. Voici la liste des valeurs en question. Avec Cybergun, notre héros du jour, qui a quand même, sur 3 années, c'est même pas moins 99,9, ouais. C'est moins 100. Ouais. Et malgré ce qui a été annoncé d'une super stratégie mondiale dans l'armement, etc., profitant de la guerre, enfin, complètement. Voilà, nous sommes à moins 34, donc on a perdu un tiers de la valeur, encore une fois, avec la super stratégie à Cybergun. Je le dis aux gens, sur 3 ans, on est bien d'accord, vous avez tout perdu. Mmh. Et bien, en 3 ans, vous aurez encore tout perdu. Vous avez la raison dans les vidéos précédentes. Mais il n'y a pas que elle qui est finalement en train de se casser la figure continuellement. Regarde, j'ai entouré tous ceux qui étaient autour de moins 99% sur 3 ans. Déjà, tu as plus de la moitié des valeurs qui sont à moins 99%. T'as vu, hein, on a ici Neovax. Ils sont. Enfin, voilà, t'en as deux à moins 99,98. Enfin, voilà, y a rien à tirer. Et surtout moins 91% sur l'année, quoi. Alors, sur le début d'année, ça veut dire début d'année. Ben, le recordman pour l'instant, c'est HTLOE, Alalo, voilà, qui est magnifique. Tu vois, il y a Pharma Simple aussi, qui on va revenir dessus tout à l'heure, enfin tout de suite après. Puis ben, voilà, quoi, ça continue. Pas mal. Hein. Pour moi, Pharma Simple, je pense que ce sera le vainqueur de l'année. L'an dernier, c'était Arcos. Ouais, cette année, j'ai bon espoir sur Pharma Simple. Parce que tu vas voir ce qu'ils ont sorti là, c'est extraordinaire. Et puis, on a Visiomètre qui vient de faire un bond là, de 100%. Alors, évidemment, quand tu es de pas grand chose, tu remontes de 100%, ça faisait toujours pas grand chose. Mais regardez bien sur 3 ans, Visiomètre tout en bas, moins 89%. Voilà. Si tu veux, on va s'intéresser à Pharma Simple un peu plus près. Ouais. C'est juste pour faire un peu d'éducatif de ce que j'ai vu. J'ai dit, tiens, ça va être intéressant pour notre émission. La capitalisation actuellement, elle est de l'ordre de 2 millions d'euros. Alors, ça ne les vaut pas du tout. Hein. C'est vraiment une valeur sans valeur. Mais enfin, bon, il y a encore une capi. Ouais, bah, quand tu vois là, une capi de 2 millions d'euros, c'est une grosse pharmacie du centre-ville, quoi. Moi, la pharmacie, en bas de chez moi, la capitalisation, c'est 2 millions d'euros, elle n'est pas cotée en bourse. Hein. Je pense que mon pharmacien, son pas de porte vaut 2 millions d'euros. Ouais. Ouais. Eh bien, ils viennent d'annoncer, il y a peu de temps, un financement par OCA, nos fameuses OCA dont on avait parlé la dernière fois. Moi, j'invite les gens à vraiment écouter cette émission-là, parce qu'il y a vraiment d'éducatif dans ce que j'ai dit.
mais ils ont fait une levée de 200 millions d'euros, ouais. sachant qu'ils valent 2 millions. Je sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. C'est mon pharmacien juste en face qui vient de lever 200 millions d'euros, ouais. 100 fois plus que ce qu'il vaut, quoi. Faut déjà se rendre compte que là, il y a un souci, quoi. Et Ouais, voici, j'ai extrait, très rapidement pour faire voir aux gens, le piège des news. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on va la lire ensemble. Accélération de la stratégie de croissance. Waouh, c'est super positif, hein, tu vois, j'ai mis des petits verres là. Accélération, croissance, oh, c'est super dossier, hein, de Pharma Simple, avec la mise en place d'un financement de 200 millions sous forme d'obligations convertibles. Nous, on sait ce que c'est que des OCA. Hélas, il y a bien des gens qui arrivent sur la bourse qui ne comprennent pas Alors, ça. C'est vrai, il y a un gagnant et que des perdants. Ouais, non, il y a plusieurs gagnants, je pense. Il y a les dirigeants et puis il y a celui qui émet les obligations, Ouais. celui qui gère. En tout cas, ce n'est pas les particuliers qui gagnent. Donc là, moi, je vous signale, je vous demande de lire ce qui est écrit parce que l'idée, c'était de, tiens, je vais mettre notre truc pour que les gens s'éduquent encore. Vous ne faites pas berner par les belles phrases écrites par des gens comme ça. C'est faux. Enfin, c'est faux. C'est du pipeau. Enfin, moi, voilà, quoi. L'accélération de la croissance, c'est une boîte qui n'a jamais de croissance, donc, et qui n'arrive pas à trouver son modèle. Donc, Pour mémoire, Pharmasimple fait quoi? Ils vendent de la parapharmacie, c'est ça, hein? c'est de la parapharmacie vendue sur Internet. Ouais. Et c'est un concurrent d'une boîte qui s'appelle Shop Apothec en Allemagne. Ouais. Shop Apothec, ça tourne. C'est un beau dossier. D'ailleurs, il se casse pas mal la figure parce que bon, toutes les valeurs Internet ont tendance à fortement baisser. Et c'est belge. Enfin, c'est plus ou moins ouais, franco-belge. Enfin, c'est belge, mais c'est coté en France. Ça bosse en France. Enfin, c'est pas clair. Et ils ont. Alors, allez voir PharmaSimple, allez lire les news de PharmaSimple. Il y en a une qui a, il y a pas longtemps où ils ont lancé une gamme de produits. Alors, je crois que c'est des huiles essentielles en. Je sais pas quoi, la noix de coco, enfin, et c'était la révolution industrielle de PharmaSimple. Mais quand tu lis le truc, et tu te rends compte que c'est du n'importe quoi. Donc voilà, les gens doivent faire attention à ce qu'ils lisent et il faut apprendre à lire. Voilà, apprendre à lire une news, ça se fait et c'est vraiment important. Voilà, je voulais faire ça, si je sais pas ce que tu en penses, mais. Non, c'est bien, c'est bien. Mais de toute façon, si c'est un attrape-gogo, il faut bien qu'il y ait des gogos, hein, de toute façon. Ah bah oui. Bah oui, mais on a le droit. Enfin, moi, je trouve que se battre contre ce phénomène-là, c'est important. Il y a plein de gens nouveaux. On est un Ouais, peu mais vu. c'est pas. Nous, on est là pour éduquer, enfin pour essayer d'éduquer, mais normalement, ceux qui devraient lutter contre ça, bah, apparemment, ils le font pas, quoi. Bah non, je t'avais dit qu'Arcos était au SRD. C'est. Voilà. Et puis j'avais fait des propositions d'ailleurs, je te rappelle, j'avais mis des petites propositions pour un peu bloquer ça, mais. On n'est pas écouté, hein, mais c'est un scandale. Enfin, on le dit tous, je crois qu'on est tous d'accord. On n'est pas toujours tous d'accord sur une valeur, on n'est pas toujours tous d'accord sur une stratégie, mais on est tous d'accord sur ça. Ça, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale. Tout à Bon, fait voilà. d'accord. Donc, voilà notre indice MDR, toujours aussi performant à la baisse. Et je peux l'annoncer, hein, Denis, hein, on est d'accord sur ce sujet, ça va continuer. C'est ça. Ok. On va passer quelque chose de positif. Ah ouais. L'indice PTDR, ouais. Donc l'autre qui était le plus connu, hein, qui est le plus suivi. Donc c'est pareil, situation au 30 avril. Et c'est toujours sur la même zone géographique que je travaille. Alors il n'y a pas tous les pays représentés dans l'indice, mais voilà, c'est moi je travaille sur toutes ces zones-là. Je fais mes recherches sur tout ce secteur-là. D'accord. Italie, Espagne, France, Alors, je reviens quand. Benelux, Allemagne et les Nordiques. Donc Danemark où il n'y a quasiment rien. Si, il y en a une petite valeur que j'ai repérée là, qui monte en puissance, là, qui commence à m'intéresser. Une en Danemark. Et puis sinon, c'est beaucoup de Suédoises, un peu de Norvégiennes. Et j'ai quelques dossiers finlandais aussi qui D'accord. apparaissent. Il y en a un que j'ai failli rentrer dans les pépites, parce qu'il y a des nouvelles pépites. Mais bon, bah, après, il faut arbitrer. J'ai décidé de ne pas la mettre. Mais je commence à avoir deux, trois dossiers intéressants sur la Finlande. Ok.
Sinon, je crois qu'on a une espagnole, on a Olalus dans Ouais. l'indice, on a une italienne, ça doit être Cibero. On a quelques allemandes, quelques françaises, quelques hollandaises et puis quelques scandinaves, effectivement. Ouais. Mais ça va bouger encore aujourd'hui. Ok. Voilà l'indice. Voilà, les gens qui connaissent l'émission, ils sont habitués à ce graphe. Et donc, on s'était vu quand on était tout en haut, ici. Et oui, on était à 107% de progression. Au-dessus, alors c'est en vert, hein, l'indice, il est en vert. Le Nasdaq est en rouge et donc le CAC 40 est en jaune, beaucoup plus bas. D'ailleurs, je vais peut-être changer, je vais peut-être mettre le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, mais il n'est pas beaucoup plus haut. Hein. Sur 2 ans, il doit être 4-5%, allez, 6-7% au-dessus, mais pas beaucoup plus. Hein. Le CAC 40 est de toute façon beaucoup plus bas que le Nasdaq et que l'indice des pépites. Voilà. Et puis vous avez en bas les performances de chacun des indices par année. Donc on voit qu'en 2020, l'indice avait fait plus 63 quasiment. Et l'an dernier, on avait fait à peu près comme les autres, là, un peloton groupé à plus 27. Et la situation au bout de 4 mois, donc on est en quadrimestre, on est à un tiers de l'année. Le CAC 40 est à plus 7 maintenant, par rapport au tout début, hein, je parle pas, par rapport au tout début 2020. Tout début 2020, hein, pas par rapport à l'année, Oui, oui. sur l'ensemble de la période, là, c'est-à-dire depuis le début 2020. Donc on a 2 ans et 4 mois de fait. Le Nasdaq, il est à plus 47. Et notre indice des pépites, il est à plus, allez, presque plus 80. Donc il reste bah, très, très bien orienté par rapport à nos petits camarades. Et si tu regardes bien, la guerre nous a posé un souci en Europe. On a rattrapé le Nasdaq, puis on s'en est rééloigné. Hein, t'as vu, hein. Et donc le rebond des belles valeurs s'est fait de manière assez importante et ça descend assez peu finalement. Et sur Ce qui l'année, est ça dit intéressant. quoi sur l'année? L'année 2022? Eh ben, c'est ici, tout ce que tu as ici, là. D'accord. Ici. Là, c'est le début d'année de. Là, on est au 1er janvier 2022. Tu vois mon curseur? Oui. Ouais, donc Voilà. on en Et a ici, perdu donc, la sur les pépite. trois sur les trois indices, hein. Les 3 indices ont baissé. Ouais. Le plus, c'est le Nasdaq. Ouais. Le Nasdaq a beaucoup plus baissé. Et ben, voilà les performances, justement, en bas à droite. Si Ah, tu veux, d'accord, oui. tu veux. Ah, ouais, c'est ce En que bas je à droite, demandais. c'est Excuse-moi, 2022. oui, On d'accord. a, Je t'ai ouais, devancé. on était, ouais, au 30 avril, on était à moins 21, mais le Nasdaq était plus bas, hein, on était à moins 30. Hein. On a fait un moins 28, moins 30, je crois. Et puis, le CAC 40 était à moins 10 à ce moment-là. Et puis, bah, finalement, notre indice des pépites a fait que moins 13. Hein. Donc, bah, je suis un petit coup. Ouais, c'est bien. Tant qu'il est au-dessus du Nasdaq, j'ai envie de dire, il a tout son sens. D'accord. Et j'ai envie de dire là, il s'en est même éloigné. D'ailleurs, j'ai fait un petit comparatif, si tu veux bien, dans ce slide-là. J'ai fait un petit comparatif pour que les gens se repèrent bien. Donc, en bas, on a les performances depuis le début janvier 2022, ici. Et en haut, c'est depuis la création de l'indice, ici. Et à vrai dire, l'écart entre Nasdaq et l'indice PTVR, c'est de presque 8%. On est meilleur que le Nasdaq de 8 points sur 4 mois. Si tu extrapoles sur un an, ça fait du 24% quoi, d'écart. De mieux que le Nasdaq. Hein. Mieux que les GAFAM et compagnie. Hein. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Et par rapport au CAC 40, on n'est finalement que 3% moins bien. Donc on a un indice qui est essentiellement Europe et croissance. C'est les deux sujets sur lesquels on a tout faux en 2022. Puisque les taux d'intérêt montent, c'est pas bon pour les valeurs croissance. Et deuxio, on a une guerre en Europe. Et malgré ça, eh bien, on se tient très bien par rapport à value. CAC 40, c'est pas que de la value, mais il y a quand même pas mal de valeurs value. Et on se tient très bien par rapport à la value. Et par rapport au Nasdaq, qui lui est croissance, on est beaucoup mieux. C'est-à-dire que je suis assez content de ça parce que en sélectionnant vraiment tes valeurs, alors attention, hein, j'ai des gamelles, hein, on va en voir, hein, il y a des erreurs, hein, il n'y a pas de souci. Mais globalement, structurellement, l'indice, il répond exactement à ce que je recherchais. C'est-à-dire profiter du caractère croissance des entreprises sans que ça coûte trop cher le moment où il y a des baisses dans la croissance. Donc c'est en même temps un indice croissance et un indice qui arrive à tenir à peu près, hein, moins 13, c'est pas terrible, mais qui tient mieux que la moyenne dans les marchés baissiers.
Et ça, c'est révélateur que globalement, la sélection est plutôt pas mal. Voilà. Et puis, si tu veux bien, on peut regarder sur plus de grandes périodes. Depuis 2020, l'écart avec le Nasdaq est de 32 points. Enfin, 32% sur 2 ans et demi de mieux qu'un Nasdaq, c'est pas mal quand même. Hein. Et puis par rapport au CAC 40, on est à 72 points d'écart, 72% d'écart. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Et Ouais. j'avais eu quelques réflexions de certains qui me disaient que j'intégrais pas les dividendes, qui effectivement sont présents beaucoup dans le CAC 40. Dans mes indices et dans mon indice, moi je les ai oubliés, mais j'en ai un petit peu, mais il y a très très peu. Je le dis quand même, hein, mais le CAC 40 sur la même période, c'est plus 15, hein, donc c'est plus 72, c'est peut-être avec dividende réinvesti, c'est peut-être un 65. On peut faire une parenthèse, Denis. Hein. Les gens qui vendent des stratégies dividendaires sont sur longue période, ont tort. Ouais. Je sais que là, je vais faire crier plein de monde. Mais les gens qui achètent des valeurs pour du dividende ont tort. Ils ont tort. Vaut mieux choisir des belles valeurs qui peuvent croître avec des erreurs dedans. Hein. Les chiffres le disent. Ça commence à peser sur 2 ans et demi là. Et on s'en verra peut-être dans 3-4 ans. Et je suis presque sûr que ce sera toujours le même cas. Donc je le dis. Aux gens qui achètent, je vais faire exprès de parler de dossiers très mauvais, mais des Unibail Rodamco ou des Renault parce qu'il y a des super dividendes, même Total, hein, ben c'est très bien, c'est très bien, c'est fait pour des rentiers, mais en choisissant des valeurs qui peuvent donner des performances super intéressantes, on est très 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 au-dessus. Très au-dessus. Ok. Voilà, donc je sais pas si c'était clair. Très très clair, ouais. J'ai essayé de faire un truc propre, je sais pas si ça passera bien, mais si les gens s'intéressent aux écarts de performance, voilà, c'est sur 2 ans et demi, hein, ce qui est en haut, hein, c'est important. Et ce qui est en bas, c'est sur 4 mois. Donc voilà quoi. Voilà, j'ai essayé de faire comprendre l'écart, que l'écart, ça justifie une stratégie, est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Et là, je trouve qu'elle n'est pas trop mal. Ok. Voici la liste. D'accord. Depuis le début de l'année. De ce que les valeurs ont fait depuis le début de l'année. D'accord? C'est pas depuis l'existence de l'indice, c'est depuis le début de l'année. Et alors j'ai mis en avant deux, trois petites choses, mais si tu regardes bien en haut, la meilleure, c'est la Française de l'énergie. Donc on est dans l'énergie. Les gens achètent du pétrole. Ils ont acheté plein de valeurs pétrole. Et moi, je suis un anti-pétrole. Pour des raisons éthiques. Voilà, alors, comme je dis, hein, moi je fais mon plein d'essence, mais. Moi, je ne veux pas financer cette industrie-là. Et on peut performer avec des valeurs énergie sans être dans le pétrole. La Française de l'énergie, fait un peu de gaz, voilà, mais fait surtout de l'énergie renouvelable par de l'éolien et du solaire. La troisième ici, c'est Énergie Contor, ma fameuse Énergie Contor, depuis des années, j'ai dit que c'est la meilleure. Ça a peut-être changé. Voilà, OX2, qui est la petite nouvelle dont on va reparler. C'est aussi une valeur énergie renouvelable. Et puis Harry's aussi, dont on va reparler aussi, c'est aussi une valeur qui est dans les énergies renouvelables. Donc si tu veux, on peut parfaitement être dans une thématique énergie sans avoir à financer des gens qui brûlent la planète. Même si, oui, il y a toujours des pensées diverses et variées sur l'intérêt des éoliennes, etc. Enfin, en tout cas. J'ai le sentiment de financer un truc beaucoup plus en accord avec moi-même et mes valeurs en travaillant sur ces dossiers-là et en oubliant les valeurs pétrole. Voilà. Donc OX2 est rentré. Je n'avais pas attendu l'émission. J'ai fait ça au début avril et elle a remplacé un dossier que j'avais rentré. Mais finalement, j'ai ressorti. C'était Clara Nova. Mais Clara Nova, tu l'avais pas rentré, sorti déjà une fois, non, ou il Ouais. était toujours dedans, je me souviens Eh plus. bien, bien vu, je l'ai rentrée, je l'ai sortie. J'ai finalement pensé qu'elle allait enfin avoir fini de baisser. Ouais. Et là, alors attention, là, pourquoi? Et là, elle est sortie, à mon avis, je pense que je la rentrerai pas, peut-être même plus. Là, elle est sortie pour des raisons fondamentales. Fondamentalement, j'avais pas vu un truc.
le financement qui a été débloqué là, alors je vais pas raconter le montage parce qu'il est complexe, il est difficile à comprendre et moi j'avais même pas compris tout ce qu'il y a dedans parce que c'est quand j'ai vu les résultats, j'ai fait non seulement que la Ranova s'est attachée un boulet au pied, mais il s'est attaché pour longtemps. Et c'est la notion de pour longtemps qui me fait sortir, et sortir là par contre c'est sortir. Et je regarde même plus le dossier. Tant bien, je ne regarde même plus le dossier. Et pour, à mon avis, un long moment. Donc effectivement, j'ai fait des yo-yo, c'est un dossier que j'ai aimé, c'est peut-être un dossier que j'ai trop aimé. Comme quoi, tu vois, l'amour. Et il ne fallait pas que je le rentre cette année, mais bon, voilà, j'ai sorti avec une perte de 25%. Et moi, j'ai fait un trade dessus où j'ai gagné 15 points. Mais c'est un trade où j'ai eu de la chance, quoi, finalement. J'ai pris un rebond, puis ça. Je suis bien sorti, je suis bien rentré, je suis bien sorti. Mais globalement, voilà, le dossier, fondamentalement, là, vient de se plomber. Pour moi, c'est rédhibitoire. Le dossier va plus gagner. Il commence à gagner de l'argent, il commence à en gagner pas mal, et là, ils viennent de se tuer. Voilà, donc OX2 a pris la place. Et je vais en parler tout à l'heure. D'accord? Puis, ça c'est les satisfactions, c'est les valeurs énergie. Puis à chaque fois je rentre dans un nouveau pays, je me fais découper, je choisis pas les bonnes valeurs. Mes trois Norvégiennes, elles ont fait un tir groupé bien comme il faut. Elles sont toutes parties à la cave pour des raisons diverses. Et c'est pour ça que je vais pas les enlever. Enfin, en tout cas, pas toutes. Il y a des raisons qui sont plutôt court terme ou en tout cas conjoncturelles, donc je garde les dossiers dans ce cadre-là. Et les dossiers que je trouve structurellement un petit peu moins bons, je sors. Donc voilà. Mais à chaque fois que j'ai un nouveau pays, à chaque fois je me gourre quand je rentre dans l'indice. Donc, je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Et donc, on va parler des sorties, des dossiers que j'enlève, si tu veux bien. Et la première sortie, c'est donc à cause des résultats, c'est ce que je disais, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais passer rapidement, c'est que la Ranova, deal pourri dans le financement de sa future croissance, future potentielle. Pour moi, il y a un déséquilibre structurel qui vient de s'installer dans le bilan d'entreprise. Donc, elle sort pour des raisons de résultats et de structure. Donc elle sort à moins 25,1. Le deuxième qui va sortir, je pense que je suis arrivé trop tôt dans l'histoire. Ça reste un super dossier à regarder, mais on verra plus tard s'il peut revenir. C'est un dossier norvégien, c'est Bergen Carbon Capture, qui alors ils ont baissé parce que bon, je voyais bien que graphiquement c'était pas le moment le plus intelligent de rentrer, donc ça a baissé avec la guerre, etc. Mais ça n'a pas tenu les supports que j'aurais pu espérer et ça a une raison qui est un petit peu différente de problèmes conjoncturels, c'est qu'ils ont des retards. C'est-à-dire qu'entre ce qu'ils ont fait, la raison pour laquelle ils sont rentrés dans l'indice et la raison pour laquelle je les sors, c'est que c'est une boîte qui perdait de l'argent et que quand elle perd de l'argent, une entreprise, si elle a un moindre retard sur son planning d'évolution, le marché la fait payer très cher. Elle a payé très cher et je la sors à 37,7. J'ai vérifié tout à l'heure, elle a encore baissé. Donc, bear market très très important sur le dossier. Il peut vraiment aller à la cave. Ceci étant dit, la news est bonne. L'intérêt pour la boîte doit rester dessus. Moi, je la garde dans des valeurs que j'apprécie. Mais on verra ça plus tard. Ce sera peut-être dans un an, ce sera peut-être dans 2 ans. C'est le fond d'art, hein, ça peut être beaucoup plus tard. Mais en tout cas, la technologie est bonne, il y a juste qu'ils ont du retard et ça fait pas de cadeau. Hein. Ils ont tout eu contre eux. Donc voilà, je l'ai sorti. On a d'autres trucs intéressants à voir ailleurs. J'ai fait une sortie opportuniste. Il y a un dossier que je trouvais un peu trop mou, qui donnait pas ce que je voulais, qui a des perspectives qui me plaisaient un peu moins. Et puis bah, j'ai pris l'occasion, il se trouve qu'au mois d'avril, ça a monté. Et j'ai profité de l'opportunité pour dire je la sors. Et il se trouve que ça a baissé depuis, j'ai vérifié aussi. C'est Harry's. Harry's qui est dans l'éolien en Suède, en Scandinavie.
C'est pas la meilleure dans la stratégie, c'est pour ça que j'ai rentré au X2, qui était vraiment pas mal, qui est vraiment beaucoup mieux. Je profite de sa hausse opportunément et ça a rebaissé depuis. Mais voilà, donc sans regret, puisque c'est un dossier qui sort au bout d'un an et demi, hein, donc c'est pas terrible quand même. J'ai fait beaucoup mieux, à plus 36, 37, quoi, voilà. Donc ça compense la perte de l'autre, on va dire. L'un et l'autre, ça s'annule. Mais OK. voilà. Et puis une dernière sortie. Alors là, tu te rappelles, Denis, la dernière fois, j'ai dit je sors LDLC, je vais me faire taper dessus. Là, je vais me faire taper dessus aussi. Ouais. Aïe. Je n'y crois plus. Metabolic Explorer. Ah Alors, ouais. je sais que les gens adorent Metabolic Explorer, Métex, Metex, ouais. c'est génial. Moi, j'ai regardé vraiment le dossier un peu plus près, j'ai regardé un peu ce qui se passe dans l'avenir. Bon, ok, ils ont racheté une usine, ils ont des ventes, ça va exploser le chiffre, mais il n'y a rien derrière. Et je pense que ça va durer. Parce qu'ils ont un gros problème. Ils ont des problèmes récurrents de production. Ils arrêtent les machines, ils ont des fuites. Enfin, en gros, c'est une usine, C'est pas si au elle a point, été quoi. vendue. Ça a été vendu, c'est qu'il y a eu des soucis de production ou je sais pas quoi, et tu vois, une fois elle est arrêtée pour ceci, il y a eu des problèmes pour cela. Alors, il y a deux choses. C'est évident, enfin, toi qui travailles avec des producteurs, c'est évident pour toi, mais il faut que les gens qui travaillent pas là-dedans comprennent. Quand tu arrêtes une usine, tu produis plus, tu vends plus. Déjà, ton chiffre d'affaires pour aller le chercher, Puis ça, tous les frais qui courent. Hein. tu as des frais qui courent, des frais structure. Mais en plus, il faut réparer le truc qu'il faut réparer. Donc, c'est la double, triple peine. Je pense que l'usine qu'ils ont rachetée, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas marcher, hein. Mais le dossier devrait monter beaucoup plus fort si le marché y croyait. Et il n'a pas monté. Il range. Et ben, pour moi, il va ranger longtemps. Donc, autant sortir. J'ai d'autres choses plus intéressantes. Mais sincèrement, je suis très douteux maintenant. Il y a un an et demi, j'étais positif. Là, je vois pas trop. Hein. Yes, ok. Plus 24 quand même, c'est bien. Mais c'est anecdotique. Hein. D'accord? Ok. Donc ne m'incendiez pas. Voilà. Il y en a que Ah, mais quand 25. Hein. tu avais sorti LDLC à 60, hein, c'est ça? Ouais, 60. Bah, tout 1er janvier, ouais, tu es à 57,60, puis là, elle doit être à 30. Donc là, j'ai eu vraiment raison de la sortir. Metex, c'est pas sûr que ça baisse comme ça, mais je pense que je vois pas trop pourquoi elle monterait, on va dire. Je vois plus pourquoi elle monterait. Enfin, les raisons pour lesquelles elle devait monter, pour moi, elles n'existent plus vraiment. Elle est pas chère, hein. Je sais très bien que les gens vont dire, ouais, elle est pas chère, elle est ceci, elle est cela. Ouais, pas chère, mais des dossiers pas chers qui montent pas, il y en a plein, hein. Ben, moi, pour moi, elle en fait partie. D'accord? OK. Voilà, quoi. Ça n'empêche pas de la trader, hein. Mais investisseur, je suis un peu plus sceptique. Puis on va passer aux remplaçantes. Yes. J'en parlais avec un élève, il me disait, mais pourquoi tu sors des dossiers des fois? Ben, je dis simplement parce qu'il faut animer un peu les émissions, parce que des fois ça sert vraiment à rien. Hein. Enfin, là, il y a des dossiers je pourrais en enlever d'autres, en rajouter d'autres. Hein. C'est vraiment pour que les gens ils en aient pour leur temps de passer devant l'émission. Ouais. Parce que sincèrement, des dossiers, je peux en sortir 200. Hein. Ouais. J'ai essayé d'être sélectif et on avait fait de la Norvège, pas mal de Norvège la dernière fois, et on avait fait de la France. Et ben cette fois-ci, on va faire un peu de Suède. On va faire de nouveau un peu de l'Allemagne, parce que l'Allemagne a bien baissé. On va rentrer une Belge. Allez. Voilà, donc bonjour à tous mes Belges, mes élèves belges et mes lecteurs belges. J'ai pas mal suivi sur la Belgique. Donc voilà quoi. Et si tu veux bien. On va commencer par une Suédoise. Alors, on va dire, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est juste que je l'ai fait il est rentré en début avril. C'est au X2. Alors, très rapidement, c'est le secteur des ENR, c'est l'énergie renouvelable. Pourquoi elle et pas d'autres? Alors, je l'ai expliqué. Alors, je vais faire ma pub pour mon Facebook. Mais c'est vraiment sur Facebook où je fais
des articles vraiment de fond, mon sentiment de marché, mais aussi quand il y a des nouvelles valeurs que j'explique pourquoi, c'est sur Facebook. Et comme j'ai écrit, elle n'est pas chère, elle a des perspectives vraiment très belles. Je dirais même que ce qui est impressionnant, c'est les contrats qu'elle est en train de signer. Ça m'intéresse énormément, beaucoup plus que Harry's, finalement. Et avec, à mon avis, une perspective dans sa structure qui fait que pour moi, c'est un dossier qui est pas du tout au niveau de prix qui sera dans 5 ou 10 ans. C'est mon avis, hein. Je suis peut-être tort, hein. Mais ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est son caractère pas cher. J'ai quand même osé dire, et tout le monde sait, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que ma valeur énergie renouvelable en Europe que je préfère, et ça m'a donné raison, hein, parce qu'elle a fortement monté, et puis je pense qu'elle va continuer. C'est Énergie Contor. Ça fait 2 ans et demi, je dois dire ça sans arrêt, quoi. Eh bien, je le dis, aujourd'hui, je remplace Énergie Contor par OX2. Pour moi, OX2 est encore meilleure et beaucoup plus intéressante que Énergie Contor. Donc, c'est pour te dire l'estime que j'ai pour cette valeur. Énergie Contor, on doit être à x3, x4 depuis que j'en ai parlé. Donc, à ceux qui mettent de l'argent sur Voltalia et sur Neoen. Parce que vous aurez plus de soucis avec ces dossiers-là qu'avec OX2. Voilà. Et graphiquement, on a une GLB qui a été cassée avec conviction. C'est un graphique mensuel. Donc, tu vois, c'est une valeur qui est rentrée en bourse peu de temps. Et elle l'a fait au mois de mars. Donc, c'est pour ça qu'elle est rentrée dans l'indice. D'accord? OK. Voilà. Ça, c'est la première. Donc, ça, c'était à la place de Clara Nova. Et les trois autres, par contre, là, par contre, j'en ai jamais parlé. Quoique, celle-ci, vous allez voir que il y a des gens qui commencent à en parler, ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser à l'Allemagne, ils ont bien raison. Et je rentre Cult Digital dans l'indice. C'est un dossier que je suis depuis 2 ou 3 ans. Moi, je l'ai vu très très bas, je l'ai vu beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Mais voilà, je trouve que ça commence à ressembler à vraiment quelque chose de super intéressant. Et Cult Digital, c'est le Netflix de demain. Ah oui. J'ai pas honte de le dire. C'est Netflix, mais sans ses défauts de coût. Je sais pas si tu connais ce dossier-là. Allô? Ouais, je t'écoute, hein. Je sais pas si tu connais ce dossier-là, non? Pas du tout, pas du tout, non. Pour être simple, en gros, c'est un Netflix, mais ils n'ont pas que des films. Ils ont des jeux, ils ont du sport, ils réunissent tous sur une seule plateforme. Très intéressant. Allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment génial et Et c'est j'ai abonné. disponible en Allemagne seulement ou partout? Alors ils sont en train d'investir des pays, mais je ne sais plus lesquels, donc ils vont s'étendre internationalement. J'ai lu une news il n'y a pas longtemps sur le sujet, je ne sais plus vers quoi ils vont, mais je ne suis pas convaincu que ce soit encore disponible sur la France, mais le modèle est impressionnant. Par contre, vous pouvez taper sur Google, hein, vous pouvez trouver et voir un petit peu comment ça se présente. Alors je dis Netflix, c'est peut-être pas le Netflix, mais c'est Netflix, mais c'est pensé un peu dans l'idée streaming, mais pas la même manière. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup, et ça plaît, hein. Il y a du monde qui rentre. Alors ils ont un coût marketing qui est un petit peu à la hausse, donc c'est un petit truc qui me gêne un petit peu chez eux, mais ils ont des chiffres mais gigantesques, quoi. Et ça fait longtemps, hein. Moi je dis, ça fait 3 ans que je les suis, j'ai jamais pu rentrer dans le dossier. Mais franchement, c'est canon, quoi. Donc, perspective énorme, mais énorme. Résultat très prometteur, ça gagne de l'argent. Hein. C'est pas Netflix au niveau résultat, hein. Ça gagne du fric, ça. Hein. Et pour moi, il y a une correction terminée, puisque si tu regardes graphiquement, on a une exagération. Là, c'est en début 2021, et on a corrigé et on est en train de créer un range. Voilà, elle rentre plus ou moins au milieu. Alors, je sais que techniquement, c'est pas là qu'il faut rentrer. J'ai pas de souci avec ça. Je suis complètement d'accord. Mais pour moi, c'est un dossier qui avait eu une exagération haussière. On la voit bien ici. Hein. On la voit ici, là, qui est vraiment très, très importante. Et donc, on recorrige, on retouche des niveaux qui étaient déjà travaillés avant. Bon, je pense que la correction est plus ou moins finie. Je dis pas qu'il va monter tout de suite. Mais franchement, le business model est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ça, c'est une vraie pépite. Ça, c'est une super pépite. Ça peut devenir une énorme valeur dans le futur s'ils réussissent à passer les étapes qu'ils ont besoin de passer. D'accord? Ok.
Je pense que c'est un autre dossier que j'ai pas mis dans les pépites, mais dont je parle parfois, qui fait aussi du contenu, parce que Netflix, c'est dans la... Netflix, pardon, Click Digital, c'est dans le contenu. C'est Xilam, qui est français, et qui fait des dessins animés. C'est pareil. C'est des boîtes qui explosent comme ça, qui ont des graphes comme ça, et un jour, ça va repartir. Ça peut mettre plusieurs années, hein, mais... Mister Magoo, Xilam. Ouais, je suis pas sûr. En tout cas, c'est Oggy et les cafards. Ça, par contre, j'en suis sûr. Je crois qu'ils avaient Olivier racheté Charcot, Mister voilà, Magoo. Franchement, génial. C'est possible, ouais, c'est possible, hein. C'est pas impossible. Mais ils sont spécialisés dans le dessin animé sans parole. Donc, c'est voilà, pareil, hein. Ceux qui connaissent pas Xilam, super dossier. Et un autre dossier allemand, toi, genre deux. Ouais. Là, qui est pas connu, je pense, Median Games. Là, par contre, il y a peu de gens qui connaissent. Moi, j'ai déjà tradé, mes vieux lecteurs, ils savent que j'aime bien ce dossier-là. Et là, c'est pareil, je trouve qu'il a fortement baissé et je trouve que c'est pas vraiment justifié. Il fait qu'il est... Ça fait que je trouve que c'est pas très cher. Et c'est des gens qui font du marketing digital à travers des supports médias et jeux. Donc, ils utilisent les médias et les jeux sur Internet pour faire du marketing. Eux aussi ont des perspectives de résultats importantes. Et pour moi, la correction serait pas loin d'être terminée. J'ai le sentiment que. J'ai regardé de nouveau tout à l'heure le niveau de prix où ils étaient. Bon, c'est à peu près le même niveau de prix que début avril. Mais on a peut-être fini la correction de ce dossier-là. Si tu regardes bien, tu avais un long range ici, là, qui a été cassé violemment. Et je pense que si ça touche par là, faut peut-être y penser. Quoi. Voilà. Yes. Ok. Superbe dossier, vraiment, moi j'adore, hein, ça fait des années que je le suis. J'ai raté l'accélération ici, et je m'en veux encore. Et on était trois fois moins cher qu'aujourd'hui, quoi. Voilà. Et le tout dernier, alors là, les Belges vont être contents. Il n'est pas coté en Belgique, coté à Paris, mais c'est un dossier belge qui est le siège est à Bruxelles. C'est Invibes Advertising. Attention, je le dis tout de suite, alerte, c'est un dossier illiquide. Donc, voilà, ça n'empêche pas que l'entreprise elle-même est super intéressante. Ils font aussi du marketing digital, donc ça fait deux valeurs marketing digital, mais ils ne font pas la même chose. Allez voir ce qu'ils font, c'est très intéressant, et ils ont des perspectives de développement absolument impressionnantes. Il y a beaucoup de gens qui aiment le dossier freelance, et ils ont bien raison. Je pense que c'est un nouveau freelance. C'est une boîte impressionnante. C'est pas une grosse valeur. Voilà, ça sera la quatrième de mes pépites. Et voici le graphe. Alors, j'ai fait exprès de mettre que du mensuel, comme ça, ça m'éloigne un petit peu des traders intraday qui tradent à court terme. Voilà ce que ça donne. Je ne suis pas convaincu là aussi que ce soit le meilleur point d'entrée, mais ce n'est pas très grave par rapport à ça. La correction, si tu regardes bien ici, c'est le dip de la guerre, et c'est remonté très rapidement dans les niveaux hauts. On sent que le dossier est costaud et il y a de l'acheteur immédiatement quand ça baisse. Donc pour moi, ce n'est pas fini et ce n'est pas cher. Enfin, ça a vraiment toutes les qualités du monde. Voilà, voilà. Ok. Donc ce ne sont pas des conseils, c'est juste une sélection de dossiers intéressants à surveiller. Moi, je ne les achète pas particulièrement immédiatement. Hein. Je peux ne jamais les acheter, ça m'arrive. Il y en a beaucoup trop. Voilà, donc c'est vraiment pour voilà, c'est à titre éducatif et d'animer un petit peu. Voilà, l'indice, ça lui permet de s'animer et d'avoir des valeurs intéressantes. Il y en a qui sont là depuis très longtemps et puis d'autres qui passent très rapidement. Voilà. Ok. Merci Richard donc pour ces petites MDR et ces petites PTDR, c'est très instructif. On a appris pas mal de choses sur des nouvelles actions, puis celles qui sont sorties aussi. En plus, on a fait une débrief de marché avant, donc ça a été parfait. On était plus court que d'habitude. Ouais. Ça va être un bon argument pour les gens. Moi, je veux toujours être plus court, mais j'arrive pas. Hein. Donc on va voir. Ouais. Donc, je rappelle l'événement qu'on avait dit en début, donc le 11, 12, 13 novembre, réservez les dates, vos agendas, on fera
un événement sur Barcelone, un séminaire de 3 jours. Et Ricardo sera là, il l'a dit au début de l'émission, hein, tu le confirmes? Ah oui, je confirme, je m'interdis de pas venir et après on verra ce dont on parlera, mais je crois que c'est au-delà de ce qu'on va dire, c'est de se rencontrer, quoi. C'est Enfin, ça qui va être c'est. bien, c'est que... Ouais, ça va être vraiment bien Alors... avec les pros qui viendront, enfin les pros, en tout cas tous les gens qui animent ta chaîne, et puis bah, avec les gens, quoi. Enfin, il y a des gens que j'ai même des élèves, moi, que j'ai jamais vus physiquement. Et non, bah faut profiter, faut venir, faut voilà. Puis Denis va nous faire un petit truc aux oignons, il va nous faire un petit truc. Ouais, et puis en fait, moi, je veux vraiment qu'on soit pendant 2 jours Trop cher. tous ensemble, quoi. Tous Ouais. ensemble. C'est-à-dire qu'on mangera avec Ricardo, on mangera avec David, on mangera avec les autres, On picolera on avec picolera Ricardo. ensemble. Enfin bon, le vendredi on sera studieux, le samedi on sera très studieux dans la journée et le soir chacun fera ce qu'il voudra. Voilà. Dans la Du coup, limite je du regarde. raisonnable et de l'acceptable, Si je évidemment. bois, trop avec tout le monde. Ah. Ok. Merci Denis, je répète, merci pour cette inventivité, c'est vraiment super. Et puis voilà, et puis tu vas nous trouver un petit tarif sympa, et puis on va tous prendre plaisir à venir. Je visite des hôtels la semaine prochaine. On prendra du haut de gamme pour rester dans un prix abordable. Le très haut de gamme, Oui, j'attends encore faut. deux réponses, mais là, on pourra pas, quoi. Ah, non, mais c'est pas grave. Attends, l'essentiel, c'est de se rencontrer et puis de passer un bon moment. Tu trouves-nous des bars bien, bien, bien grands. Ouais. Et Les grandes puis. salles. Et puis voilà, quoi. Non, Ok. alors, super. Génial. Merci, Denis. Bah, merci Merci. à tous. Comme d'habitude, sur le chaîne Pépitor, il y a la formation Tino, le coaching Tino et le salon Tino Mika. À chaque fois, j'oublie de le dire, donc il faut que je le dise. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé, faites sonner la cloche, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous serez prévenu dès la publication de nouvelles vidéos. Merci à tous. Ciao, Richard. Ciao. Salut, salut!